Salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur un jeu de simulateur de pets. C'est à dire que de toute façon je vais tout vous expliquer tout dans la vidéo. De toute façon vous allez avoir le lien en bas de cette vidéo. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir, il y a des animaux qui me suivent derrière moi. Alors, ils me suivent. Donc au début en fait les amis, vous allez avoir des pets grave pourris en fait. Vous allez voir un chat, comme vous pouvez le voir, il y a un chat gris de 28% de capacité. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous ramasser beaucoup de pièces, parce que oui, tous les animaux que vous avez là peuvent vous ramener des pièces. Donc vous cliquez sur ça par exemple et vous allez avoir des animaux qui vont se mettre à chercher des pièces et vous les cultivez comme vous pouvez le voir. J'ai 16 000 pièces et en fait là vous voyez ici tout au bout comme ça, et en fait j'ai déjà commencé le jeu, je suis vraiment désolé mais je voulais vraiment faire une vidéo sur ça. En fait vous avez plusieurs parties, vous avez la première, je sais pas comment je peux vous dire parce que je me suis déjà beaucoup avancé. Vous avez cette première zone, vous voyez, où ça change la couleur. La couleur, elle change. Vous avez une zone comme ça, là. Et ici, c'était marqué 10 000 pièces. Et en gros, il fallait que je cultive 10 000 pièces, tout ça. Voilà, comme ça. Voilà, le bonhomme va aller chercher, ça me donne des pièces. Et il y a aussi des diamants, mais ça, on va en revenir juste après. Je vous explique juste ça. Du coup, avec les pets, vous pouvez les améliorer en cultivant de l'argent. Voilà. Tous les œufs que vous voyez là-bas avec le signe dollar, c'est des œufs que vous pouvez acheter avec les sous que vous aurez cultivés. Donc, par exemple, cet œuf-là, voilà. On va commencer par les premiers parce que il faut se dire que les amis, au début, vous aurez. Vous aurez 4 comme ça. Vous avez ceux-là ici que vous allez débloquer juste après. D'abord, il faut que vous débloquiez tous les passages que vous voyez tout au bout. Il faut que vous débloquiez tout ça. Et aussi, vous aurez d'autres offres comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez toute cette colonne-là à débloquer, plus celle de derrière, avec les œufs hyper chers, tout ça. Voilà. Moi j'ai déjà commencé à acheter lequel. Attends, je vais vous faire voir. J'ai déjà acheté celui-ci, je crois. Ouais, où il y a le E là. Donc dedans en fait vous allez avoir des pets. Mais des pets, parfois vous n'aurez pas de chance. C'est un peu comme les œufs d'Adotomie. Parfois vous n'aurez pas de chance. Là vous avez 3% de chance. Enfin, c'est très compliqué d'avoir des super rares. Parfois j'ai eu la chance de les d'en avoir, mais c'est très rare. Donc comme vous pouvez le voir au début les amis, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des pets de 300 à 400 de capacité. En gros ça va enlever 400 sur 400 à chaque fois sur les sous que vous cultivez avec les pets, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. J'espère que vous me suivez jusqu'à là. Et aussi, en gros, il y a des pets de 6000, enfin 5000, 3000, 2000. Ça dépend ce que vous mettez dans les œufs en fait. Si vous vous achetez des œufs hyper chers, vous allez avoir des hauts niveaux. En gros, plus vous avez des hauts niveaux, plus les pets sont puissants. Enfin, tout ça. Donc maintenant, on va passer aux diamants bleus. Voilà, les diamants bleus. Il faut. Enfin, au début, quand j'ai commencé le jeu, il y a 2 ou 3, 4 jours, je crois. Quand j'ai commencé le jeu, les amis, je ne savais pas à quoi ça servait les diamants. Mais je vais vous faire voir dans un instant à quoi ça sert les diamants pour mieux vous expliquer le but du jeu en gros. Comme vous pouvez le voir, vous avez des pièces, vous avez des coffres et des diamants, comme vous voyez là-bas au bout. Juste à placer mon pet là-bas. Voilà, il va chercher les diamants.
Mais au début, les amis, il faut se dire que vous ne pourrez pas mettre votre pièce comme ça, tout au bout comme ça, aller lui demander de chercher les pièces d'or. Il faudra cultiver des diamants. Comme moi, là, j'ai 9000 diamants. Il faudra cultiver 9000 diamants. Comme ça, voilà. En fait, vous avez le pet speed, donc ouais, le max. En gros, les pets, ils sont à la puissance maximale. Player speed, voilà. Je peux mettre. Comment vous dire ça? Je peux vous mettre une puissance un peu plus inférieure à celle que j'avais au départ. C'est-à-dire que je rajoute des diamants, je rajoute deux diamants. Et du coup, mon bonhomme, il va marcher, enfin, il va courir beaucoup plus vite qu'avant. Ça va lui donner un coup de pêche, en gros. Mort, storage, ça, je sais plus trop, mais j'ai quand même mis des, enfin, des robux. J'ai quand même mis des diamants dedans, donc voilà. Auré, hache, je suis pas très bon en anglais, mais je sais plus quoi ça sert. Je crois que c'est pour. Je crois que c'est pour que les pièces et les diamants viennent vers vous plus rapidement qu'avant. Parce que avant, je me rappelais, il fallait que je vienne vers les diamants pour les récupérer. Donc c'était la galère. Du coup, j'ai mis un speed aussi sur ça. Pets, string, c'est-à-dire que gros, vous allez donner un peu plus de force à vos pets. Donc c'est-à-dire que ils vont être plus forts pour ouvrir les coffres, tout ça. Pour vous donner de l'argent, tout ça. Et celui-là, tout en bas, pour finir, je pense que ça sert pour avoir le double de la monnaie des diamants. En gros, par exemple, vous allez avoir 10 de diamants sur tout ce que vous avez cultivé. Et vous allez avoir le double, c'est-à-dire 20 diamants. Je pense que ça peut être un délire comme ça, je suis pas très sûr. Après, vous n'avez pas que ça, les amis. Donc une fois que vous avez ouvert ce territoire-là, vous avez celui-ci. Celui-ci, si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, je crois qu'il a 400 000 pièces, je crois. Et ici, vous pouvez aussi, vous allez ici, vous pouvez genre celui-ci avec celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et vous pouvez les fusionner, c'est-à-dire que vous allez avoir un seul pet avec vous en gros, qui sera beaucoup plus puissant. Enfin, en fait, ce que vous voyez là, ça va être dans un seul pet. Ça va pas être un pet par un pet. Vous allez en avoir un seul. Parce que il faut se dire, les amis, vous avez que 4 places pour. Vous avez que 4 places en gros, vous avez 1, 2, 3, 4. Pour les utiliser pour essayer d'ouvrir les coffres. J'espère que vous me suivez jusqu'à là parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut voilà, il faut vraiment se mettre dedans. Et aussi vous avez bien évidemment des Game Pass, ça on s'en doute un peu. Après vous avez les autres mondes qui sont il y en a un je crois 1 500 000, l'autre 5 500, pardon, 1 million, après 5 500 000. Le second, je crois qu'il a 50 millions. Et le dernier, je l'ai pas encore ouvert, il a 250 millions. Mais ça me sert strictement à rien du tout. Je préfère pas les utiliser, tu vois. Je préfère utiliser les sous pour les pets. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi des petites caisses. Comme ça, vous avez des coffres forts. Vous avez. Ouais, vous avez le tout, quoi. Ça, par contre, j'ai jamais compris parce que c'est marqué 25 milliards. Mais genre, ben je vois pas, en fait je vois la monnaie en pièces, la monnaie ben la monnaie bleue quoi, mais j'ai pas la monnaie que vous voyez ici affichée à l'écran en gros, j'ai pas cette monnaie là, du coup je sais pas comment faire, c'est quand même 25 milliards, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus que millions, donc je pense pas que je mettrai jusqu'à là, déjà j'ai la flemme, d'aller jusqu'à 250 millions, 25 milliards, c'est beaucoup quoi. Donc, enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez tout compris, tout ce que j'ai dit, tout ça dans la vidéo. Parce que c'est vrai que c'est pas facile à comprendre.
c'est dur, voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Je sais, je me répète souvent dans toutes les vidéos, mais n'hésitez pas. C'est super important. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. C'était David. Ciao, bye bye. Bye bye, les amis. Et ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien du jeu. Allez, bye.